Est-ce que... Oui, la suite est là. La suite est là, donc, eh ben, on continue. Ok, j'explorais le secteur quand j'ai aperçu un grand naga en armure en train d'aboyer des ordres au reste des serpents. Croyez-le ou pas, mais mon petit doigt me dit que c'est lui le chef. Tant que les nagas auront une tête pensante, nos opérations ici seront compromises à liquider-le. Ok, tu es le seigneur ondulin à la traversée. Il vaut trop que pas assez. Il vous faut quelque chose? Triture. Nos navires coulés, notre mèche hors de service. Notre mec, ouais, c'est Mekana. C'est Mecha en fait. On a perdu très gros dans cette mission et le cartel Baifon n'est pas du genre à proposer une assurance. Les agents de recouvrement vont nous tomber dessus à bras raccourcis. Nous devons trouver un moyen de rentrer dans nos frais. La plage grouille de Naga. Ils ratissent les ruines en quête de reliques. Et si on s'emparait de leur trésor pour se refaire, je parie qu'on n'aurait pas de mal à trouver un acheteur. Je vous propose de partager les bénéfices 80-20, ça vous va? À mon avis, c'est plus que correct. Récupérer 20 reliques. Ok. Seulement 80%? Tu pourrais demander vachement plus, où est ta cupidité? Allez, c'est pas rien 80%! Pourquoi vouloir tenter le diable? Y a pas de frisson sans le risque de perdre! Sérieux, tu devrais jouer plus souvent! Prêt à décarrer! Moi, je propose un moutmout. Si vous avez la ref. Écoutez, je vais être franc avec vous. Cet engin de mec ou mécanisme. Ah, c'est ça, d'accord. Ces mécanismes exterminateurs à calibre hybride, à calibrage hybride, c'était le fleuron de notre arsenal, à la fois mobile et puissant. Ce canon était unique en son genre. Là où je veux en venir, c'est que sans lui, c'est tout notre plan qui tombe à l'eau. Il nous faut à tout prix récupérer Ravi de vous voir tous en un seul morceau, grâce à... et le remettre en état. Et voilà justement notre vedette! D'accord, ok. Ce gros abruti de géant des mers l'a déposé, l'a désossé avant de disperser les pièces aux quatre coins du rivage. Trouvez-les et j'essaierai de recoller les morceaux. Retrouver toutes les pièces du mec. Ok, du mec. Hein. Ok. C'est ça, circuler. Allez, hop. Expirez, pièce sec. Bon. Que les abysses vous emportent. Eh zut, il a été buté. Votre chair enrichira les profondeurs. Appartiennent aux vil écailles. Ces chiens galeux de l'Alliance pullulent autour des Et gisements merde. d'Arthérique. Qu'est-ce que vous attendez? Écrasez-les! Que les années dans les abysses! Ah, ça va être chiant. Ah, ça va. Ça va, ils ont plusieurs morceaux sur eux à chaque fois. Je vais laisser partir.
tapis vous emporte. Bon, lui, il respawn pas. Ah, par contre, la voix est bizarre parce que c'est censé être des femelles, des femelles nagas, et ils ont des voix d'hommes. De mâle, ils ont des voix de mâle, mâle nagas, quoi. C'est bon, là Tlabaï est revenu. On va y régler son compte. Votre chair enrichira les profondeurs. Appartiennent aux Vilikaïs. Sombrez dans les abysses. Que les abysses vous emportent. Ok. Il nous reste les morceaux de méca. Là-bas. Votre chair enrichira les profondeurs. D'accord, il est là. Expirez, pied sec. Que les abysses vous emportent. Votre chair enrichira les profondeurs. Je suis hors de combat. Que les abysses vous emportent. Que les abysses vous emportent. Ouais, ils ont tous la même voix. C'est un peu dommage. Ils ont pas fait une voix pour les mâles et une voix pour les femelles. C'est un peu con. Bon. Première vague de quête. Moi, je trouve que c'est pas très malin de cette mi-là, mais bon. Alors. Vous avez attaché votre ceinture ? Hein ? Vous aviez fini ? Eh oui, déjà, ça t'étonne. À plus ! Ok. Au boulot, mon vieux toquant. C'est quoi le plan ? Ok. Le mecha est de nouveau opérationnel. C'est une belle pièce d'artillerie, mais il va falloir le bricoler un peu si on ne veut pas finir avec des éclats d'obus plein le derrière. Par chance, il reste quelques camps de Naga dans les parages, sans oublier
ce fichu géant qui a saboté notre précieux canon. Ils feront de parfaites cibles d'entraînement. Si on va déployer l'engin juste avant, juste devant ce bâtiment, là ensuite on sera à vous, ce sera à vous de jouer. Vous tirez quelques obus pendant que je peaufine les derniers réglages. Tout va bien se passer, l'important c'est d'y croire. Utiliser le méca pour détruire les camps de Naga, c'est vaincre gros bétane. D'accord, ok. J'adore quand... Allez, ma brigade, on dégage d'ici. 50 000 pièces d'or, au premier qui nous amène au point de déploiement. Prince, cet or ne peut être qu'à moi. Il faut qu'on calibre la mire du canon avant de pouvoir viser quoi que ce soit. Pourquoi ne pas aligner quelques nagas pour se faire la main? Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oh là, attention! Il nous tire dessus! Dégommez-les avec des obus à fragmentation! C'est Lascar qui a ratiboisé notre bateau. On va lui rendre la monnaie de sa pièce. J'ai précisément ce qu'il faut pour m'occuper de lui. Tu vas déguster, mon grand. Yo! C'est un écrou, la bague. À plus. Apporter le boom. Salut, Ça va prendre un moment pour installer le châssis du canon. Qui eût cru qu'il était si difficile de soulever un engin de cette taille? En attendant, vous devriez en profiter pour aller voir vos amis. Assurez-vous que tout est prêt de leur côté. Je ne tiens pas à tomber dans une autre embuscade par leur faute. Rendez-vous à Glaucombe et parlez à la princesse Stonehenge. Oh. Vous pouvez prendre ma fusée pour rentrer à votre base. C'est un aller simple, alors assurez-vous de rien oublier ici. Ces chiens galeux de l'Alliance pullulent autour des gisements d'Azérite. Qu'est-ce que vous attendez? Écrasez-les! Les Loa nous ont révélé qu'un puissant ennemi se trouve à proximité. Ils exigent qu'il soit éradiqué de la surface d'Azeroth. Les Loa nous ont révélé qu'un puissant ennemi se trouve à proximité. Ils exigent qu'il soit éradiqué de la surface d'Azeroth. Ah, vous êtes de retour. Vous avez disparu plus longtemps que prévu. Vous avez eu des problèmes. Comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. Super. Et maintenant? Ben maintenant, je pense qu'il va falloir aller faire les quêtes de la grenouille. Donc on va aller faire ça. Kragwa est un Loa impulsif, friand de mets et de présents. Vous pourriez peut-être lui apporter en offrande des créatures de la région?
Alors, les trolls de sang n'ont eu de cesse de m'attaquer ces derniers temps. Ils m'ont considérablement affaibli et je dois à présent recouvrer mes forces. Des fidèles avaient coutume de m'apporter des offrandes de viande en provenance des contrées voisines. Je vous charge de me rapporter un copieux festin dès que je serai remis. Nous mettrons un terme définitif à ces agressions. Chasser des bêtes avec la reine dans la reine mare supérieure en Azmir et récupérer leur viande. Ok, d'accord, bon. Une lueur magique. Autant jadis, lorsque les trolls ont commencé à prêter l'oreille au murmure des ténèbres, j'ai instillé une partie de mon pouvoir dans les totems dispersés autour de mon antre, et aujourd'hui j'ai grand besoin de ce pouvoir. Les marais au nord abritent une espèce particulière de luisant dont l'essence magique m'aidera à puiser dans les forces concentrées au sein du témoin quelques-uns. Vous verrez alors de quoi j'étais capable à l'apogée de ma gloire. Récupérer des luisants superbes dans l'arène marée supérieure. Ok. Et la quête a bugué. Puissiez-vous toujours attraper de vos souches. On signale la présence d'un redoutable ennemi à proximité. Abattez-le, mais restez bien sur vos gardes. Ok. Bon, tout est par là. Kragwa est un loa impulsif, friand de mets et de présents. Vous pourriez peut-être lui apporter en offrande des créatures de la région? Un Ok. terrible adversaire rôde dans les parages. Abattez-le avant qu'il s'en prenne à nos alliés. J'avais pas vu que j'avais plus de. J'avais plus de marcheurs. 35! Oh la vache. Je dois m'approcher. J'espère que ça sera assez pour assasier le Loa. Je dois d'abord choisir une cible. C'est ce qu'il faut, hein, en Luciole. Bon, attendez, c'est une petite quête secondaire, ça. On va la faire rapidos. Je savais que cet adversaire ne pourrait rien contre vous.
Enfin. Ouais, j'ai fait quelques questions à lire, mais je crois qu'en plus c'est même pas Nazmir qui est en cours. Ah si, l'expédition de Talenji. Ah, je pourrais faire quelques quêtes, bon. On verra bien. Tiens, des murlocs. Restauration de Temika. Je suis repu et mon corps est fin prêt. Je vais pouvoir me réapproprier mon pouvoir d'antan et redevenir temporairement invulnérable à leur malédiction sanguine et à leur sort de ponction. Utiliser la magie des luisants pour me transférer l'énergie concentrée dans les totems. Bientôt, j'aurai recouvré l'intégralité de mes forces et nous pourrons alors détruire l'armée qui s'apprête à franchir la rivière pour venir me dépouiller. Activez le pouvoir des totems et rendez ses forces à Grokwa, à Krakwa. Ok. Je sens ma force revenir. Vite, libérez la magie d'un autre totem. Splendide, mon pouvoir croît. Déchaîner la puissance du dernier totem. Je suis moi. Maintenant, il est temps d'accomplir ma vengeance. C'est à Krakwa que vous parlez? À la prochaine fois. Depuis que vous les avez attaqués, les trolls de sang ne décolèrent pas. En ce moment même, ils déploient une armée pour en finir. Trop tard, misérable, le grand Krakwa est de retour. Dévorera bien qui dévorera le dernier. Retrouvez-moi au bord de la rivière, aux gueules rasoirs. Vous n'allez pas tarder à être témoin de mon pouvoir et moi du vôtre. Utilisez le pouvoir de Grokwa pour déjouer la contre-attaque des trolls de sang. Réfléchissez dans Trouvez-moi au bord de la rivière. Putain, il se déplace vraiment. C'est ouf.
Ah ouais, il est quand même mastoc, hein. Et quand même un sacré morceau, hein. Ok, ça va barder. Je suis prêt à combattre le troll de sang. J'en ai assez de ces attaques. Brisez-les. Je suis Kragua et personne ne me gobe. Assez de ces insectes. Frappons leur chef. Oh, c'est tellement génial. Tellement en train de faire un massacre. Ça a été efficace. C'est moins qu'on puisse dire. C'était vraiment pas mal. Par contre, au corps à corps, c'est pas ouf, hein. Alors, faut que je choisisse. Hop, à chaque fois, je prends plus cher. Ça va comment? La jeune de Normand, avant de partir, j'ai entendu dire que la princesse Talenji, elle était en route pour Glaucombe. À l'heure qu'il est, elle doit déjà être sur place. On devrait faire demi-tour. Elle sera sans doute curieuse d'entendre le récit de votre succès. Informez la princesse Talenji de votre succès. Faites la princesse, attention à vous. Il faut lui faire un rapport tout de suite. Ne la faites pas attendre. D'accord, il n'y a pas de fly. Ah, dommage, parce que les gobelins, au moins, ils avaient un... Ils m'ont fourni une fusée, quoi, pour rentrer. Mais bon. Ils peuvent pas nous affréter une grenouille. Ça aurait été drôle de rentrer à d'autres grenouilles. Même en mode automatique, quoi. Même sans la contrôler. Ça aurait été drôle. Vous êtes là. Mutumba me faisait justement son rapport. Il semble que vous ayez vécu une sacrée aventure. Je me bats pour ceux qui n'ont pas de protecteur.
bien ce qu'il me semblait. Ok, le point d'exclamation jaune qui est là, c'est la suite. Pourquoi autant se presser? Oh! J'aimerais que vous alliez vérifier quelque chose pour moi. En attendant que les gobelins soient prêts, non loin d'ici se trouve ce qui semble être une statue aux yeux du profane, mais un tortolant sait reconnaître un gardien des titans désactivé quand il en voit un. Me dis pas qu'on va affronter un titan comme à la fin de... Enfin, comme à la fin. Comme dans Légion. On n'avait pas fini d'ailleurs Légion, mais... On va avoir une scène super classe si on se retrouve encore face à un titan. Il émet d'étranges sons depuis que vous avez aidé Kragua. Il est fort possible qu'il entre... qu'il tente de se remettre en marche. Je parie que votre amulette pourrait l'y aider. Avec un gardien des titans à nos côtés, nous n'aurons plus rien à craindre des trolls de sang. Et donc voir si vous pouvez le réactiver. Ah non, d'accord, c'est pour avoir un gardien des titans à nos côtés, d'accord. Examinez le gardien des titans désactivé aux abords de Glaucombe. Qu'est-ce qu'un titan fou ici? Oui, oui, je vous écoute. Je rappelle que les titans, c'est censé être plus rare que les dragons. Hein. C'est exact. Qu'est-ce qu'il fout là? Sang d'Azeroth détecté. Formulation de demande. Installation du noyau manquant. Gardien des titans Ezreal redémarré. Protocole, confinement de la corruption en Azmir. Système endommagé. Exécution impossible. Assistance requise. Réparation de Ezreal. Veuillez rejoindre la structure proche. Confinement de la corruption en Azmir. Oh ya 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 ya. Bon. Ezreal, c'est pas le nom d'un démon dans la mythologie. Bon. Je vous cache pas, ça fait 2 heures que je joue là, je fatigue un petit peu. Mode d'emploi, réparation des titans. Oh là là, réparation du système central possible au sein de la structure proche, objectif préliminaire, réparer les systèmes auxiliaires. Le module de détection a relevé 3 gardiens des titans hors service. Récupérer leurs morceaux de gardiens des titans. Azrael peut en extraire des données. Mais d'où il y a des gardiens des titans comme ça éparpillés en Azmir à la... Bon. Objectif. Objectif du gardien des titans Azrael, redémarrer les systèmes auxiliaires, atteindre la structure proche, restaurer les systèmes principaux, isoler la corruption. Résultat escompté, confinement de la corruption, le gardien titan Azrael peut apporter son aide pour lutter contre les trolls de sang. Définition des trolls de sang introuvable dans la base de données. D'accord, ok. Attendez, excusez-moi. Voilà.
Récupération des vestiges. Le module de détection a repéré des esprits en armure dans le secteur objectif présumé défense de la structure animée par la corruption. Vestiges de plaques des titans décelés dans l'armure des esprits. Procéder immédiatement à la récupération. Le gardien des titans Azrael peut les recycler pour forger une arme adaptée contre les forces attirées par la corruption. 25 badages de titans en tuant les spectres. D'accord. Peut-être. Terre corrompue. Niveau inacceptable de corruption relevé à proximité. Le module de détection indique que la corruption a affecté la végétation. Toute corruption doit être éradiquée. Procéder à la destruction immédiate de la flore contaminée. Détruisez 12 flagellantes imprégnées de sang. Okay. Objectif atteint. Repositionnement vers une nouvelle position. Validation de l'achèvement sur un nouvel emplacement. Ok, alors les plaques c'est réglé. Il me manque quelques. Ok. Ok, c'est bon. Ok, et il me reste le dernier artefact à récupérer. Qui est là-bas? Ah oui, parce que 2 millions de points de vie à la base. Heureusement qu'il est endommagé.
Ok. Ah, bon. Mise à niveau des systèmes auxiliaires. Veuillez patienter. Restauration partielle réussie. Progression impérative pour réparation du confinement de la corruption. Corruption généralisée à tous les niveaux du bâtiment proche. Action urgente requise. Mise à niveau des systèmes auxiliaires. Veuillez patienter. Restauration partielle réussie. Progression impérative pour réparation du confinement de la corruption. Corruption généralisée à tous les niveaux du bâtiment proche. Action urgente requise. Mise à niveau des systèmes auxiliaires. Veuillez patienter. Restauration partielle réussie. Progression impérative pour réparation du confinement de la corruption. Corruption généralisée à tous les niveaux du bâtiment proche. Action urgente requise. Des morts vivants contrôlés par la corruption exercent encercle pardon la structure voisine. Approche impossible. Élaboration d'un plan d'action nécessaire. Calcul en cours. Plan élaboré. Les créatures de grande taille appelées monstruosités réanimées sont focalisatrice de la corruption. Utiliser l'arme forgée du blindage des titans pour affaiblir les monstruosités et récupérer leurs os. Exécution d'un protocole spécial pour détruire les ossements en empêchant la création d'autres monstruosités. D'accord, récupérer 15 ou 15. Les morts vivants opportuns. Les morts à proximité en cours de réanimation par la corruption, transformation en monstruosité. Le phénomène doit être interrompu de toute urgence. Extermination impossible. Solution, élimination partielle. Les objectifs réduits minimiseront la présence de corruption hors du périmètre de confinement. Éliminer les morts vivants du secteur. Les systèmes du gardien Azrael continueront à redémarrer pendant l'opération. Objectif du redémarrage, récupération des données concernant la nature de la corruption. Bien. Il y a une quête secondaire là, visiblement. Si c'est pas trop long, ça. Ouais, allez, on va la faire en même temps. Je lis même pas, mais. Voilà, faut trouver 4 orbes comme ça. Si ça. Ouais, bon, voilà.
Allez, je vais laisser mon marcheur faire son affaire. Ça résiste encore même ces merdes. Hein. Ok. Bon, quête de plus. Et les morts-vivants, ben il y en a deux là-bas. Je vais me les faire et puis c'est bon. Hein. Bon, je vais m'en faire trois. Allez, hop. Ok, d'accord. Bon. Hop. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon, les trois quêtes. C'est ça, les trois quêtes, hein. Ouais, c'est ça, c'était les trois quêtes. J'ai l'impression d'en avoir validé que deux, mais non, il y en a bien eu trois de validés. Bon. C'est quoi? C'est l'expédition de Talenji hein, que j'ai. Attendez, je vais mettre par contre l'expédition de Talenji en. Allez, expédition de Talenji. Révéré. Hop. C'est histoire de la garder à vue. La barre de réputation. Je sais plus laquelle j'avais. Voilà, mais. Cette ville d'Ul'dazar que j'avais en réputation. Suivi. Ok, plan d'évacuation. Restauration des systèmes en cours. Données récupérées. La source de corruption provient d'une entité identifiée comme Dieu très ancien. Plusieurs entités détectées à proximité compromettent l'objectif d'analyse et de confinement de la corruption en Azmir. Entité identifiée en tant qu'émanation du vide. Attiré par la corruption issue d'un dieu très ancien, procéder immédiatement à la destruction des entités du vide qui font obstacle à la réparation des systèmes. Tuer 600 visages. Nettoyage par le vide. Le module de détection décèle des anomalies dans l'environnement de la structure voisine. Portail ouvert sur le vide. Théorie actuelle, le dieu très ancien est à l'origine de la corruption. Les portails doivent être scellés pour contenir les entités attirées par la corruption du dieu très ancien. Prenez ce dispositif. Le gardien des titans, Ezreal, pardon, a forgé grâce à votre contribution. À la réalimentation de ces systèmes, utilisez-le pour condamner les portails et endiguer le flux d'entrée en provenance du vide. 4 portails du vide. Ok. Récupération de protocole. D'accord, il y a un boss. Réparation des systèmes en cours. Composant clé manquant. Protocole de confinement. Le protocole de confinement redémarre. Le système défensif pour un maintien durable de l'isolement par le gardien des titans Ezreal. Le module de détection révèle au sein du temple une créature de grande taille ayant absorbé le bloc contenant le protocole. La créature réside entre ce plan et le vide. Procédez immédiatement à la destruction de la créature et récupérez le protocole.
ça se passe par là. Ok. C'est parti. Ouais, de toute façon, j'ai rien à looter. À mon avis, c'est une phrase à l'envers. Intérieur du bâtiment sécurisé. L'entité désignée comme princesse Talanji est présente. Même dévasté, cet endroit me semble familier. Ok, le module de détection indique que la structure est inutilisable. Réparation impossible. Base de données du gardien des titans Azrael. Intégralement restaurée. Les données pourraient détenir la solution. Délai de traitement requis pour analyser les données et identifier une solution afin de contenir la corruption du dieu très ancien. Patienter pendant que le gardien des titans Azrael analyse la base de données pour identifier une solution. Regardez le gardien des titans Azrael rechercher une solution pour contenir la corruption du dieu très ancien. Ok. Lancer l'analyse pour trouver une solution à la corruption. Ok. Ah, cinématique. Données récupérées. La corruption provient d'un dieu très ancien enfermé en Nazmir. Désignation Ghoul. Trois appareils ont été créés pour sceller la corruption.
Les analyses indiquent que ceux de Nazmir et Voldoun sont actuellement hors service. Seuls sont opérationnels Zul'Dazar. Un dieu très ancien ? Voilà pourquoi ces trolls de sang-haut attaquaient ma ville. Lorsque le dernier sceau sera détruit, ce monstre sèmera le chaos en Azeroth. Exact, princesse. Ton combat, il est sans espoir. Gouhoun sera bientôt libre. Une fois que Zandalar sera en ruine, l'Empire des Dieux très anciens renaîtra de ses cendres. Non! Vous ne ferez plus de mal à mon peuple. Cette folie va prendre fin ici et maintenant! Baston? Résistez! Débattez-vous! Votre souffrance a nourri mon maître! Zul'Dazar va tomber, et mon maître, il sera bientôt libre! Vos petits Loa ne l'arrêteront pas! Vous êtes si près du but, mais vous allez succomber à la fureur du maître! Tremblez devant le destructeur de Zul'Dazar! Essayez de nous arrêter pour voir! Vous allez souffrir comme jamais! Dommage, mes dots ont pas été, ont pas suffi à la tuer avant la fin de. Dieu très ancien Gun est à l'origine de la destruction du sceau. Ordre donné au troll de sang de détruire le dernier élément à Zul'Dazar. Le gardien des titans, Azrael, doit procéder à l'éradication des trolls de sang. Le sceau de Zul'Dazar ne doit pas être détruit. Ougun sera libéré. Évacuation d'Atul Azman a requise. Retrouver le gardien des titans Azrael près du temple. Il aidera à rallier Glaucombe. Une fois sa tâche accomplie, le gardien des titans Azrael doit entrer en contact avec l'autre gardien dans la chambre de confinement de Goon. Retrouver le gardien des titans Azrael devant Atul Azman pour regagner Glaucombe. Okay. Nous vous attendrons dehors, en route. Ça c'est classe. Affirmatif. Position du gardien des titans Ezreal confirmée. Départ pour le secteur identifié comme Zul'Nazman. J'ai tourné autour. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. Ok, Gragoa et la brigade Gob vont nous aider maintenant. Il faut regagner Zul'Jan et exécuter notre plan pour arrêter les trolls de sang. Il ne reste qu'un problème à régler, la brigade Gob. Elle ne peut pas traverser la jungle avec son arme. Nous allons devoir la transporter par bateau. Vous et moi, nous allons escorter pour la protéger. Les trolls de sang